pour me donner cette occasion de m'adresser à notre opinion et aussi à l'opinion internationale. Je vous ai fait venir ici pour un scandale qui s'est produit dans le procès que vous avez tous suivi, qui est en flagrance, le procès dit de force du progrès. L'objet de mon intervention, c'est parce que tout le monde a pu voir que les juges de ce tribunal-là, de ce procès, m'a demandé de me retirer au motif que j'étais avocat français et qu'un avocat français ne peut pas comparaître au Congo. Voilà pourquoi je voulais préciser à l'opinion que quant à ma qualité d'avocat, il n'y a aucun doute. Et c'est ça qui permet que je puisse d'abord me présenter. Il est souvent difficile de parler de soi-même. Je suis Maître Oscar Mobiayi. Je suis avocat au barreau de Lille, en France. Je fais mes études à la faculté de droit Paris 5. Et depuis 2014, j'exerce comme avocat en France. À l'ouverture politique avec l'élection de Monsieur le Président Félix, les avocats congolais qui doivent être admis à prester aussi en France. Pour eux, cet accord de réciprocité n'existerait pas, ce qui est par ailleurs faux. Je vais le démontrer, mais avant de le démontrer, je voulais ici dénoncer des combines. Je suis dans mon pays et malheureusement, au lieu d'être accueilli, on devient hostile contre les Congolais de la diaspora que nous sommes. Tantôt, on nous dit nous sommes des diasporiques. Parce qu'on reproche que, bon, voilà, on nous injurie, alors qu'il n'y a pas de sous-métier. Et quand on a des avocats qui reviennent, d'ingénieurs qui reviennent, de médecins qui reviennent, on est hostile à eux comme si on venait prendre leur place. Être avocat, ce n'est pas être en politique. Donc, je dénonce ici des combines, parce que le même procureur Issoufa, de la procureure de la République, qui par ailleurs je connais depuis plus de 20 ans, m'avait déjà reçu dans son bureau et je m'étais déjà présenté à lui. Et donc, il savait très bien que j'étais avocat parce que il était accompagné de monsieur membre du Conseil de l'Ordre qui lui-même a demandé au juge que je me retire. Donc, tous deux, on s'était déjà vus bien avant cette audience et qu'ils avaient vérifié au niveau de la France et ils avaient trouvé que j'étais avocat. Donc, j'étais donc surpris comment il pouvait revenir sur la même question alors qu'il savait très bien que cette question ne posait plus aucun problème. C'est ce que j'appelle des combines. Et quand on est procureur de la République, qu'on assume et on assure les services publics, on ne peut pas entrer dans des combines pour des intérêts privés et on ne peut pas se retrouver hostile pour exploiter de son pouvoir afin de nuire à des personnes. Parce qu'il a nui non seulement à ma personne, mais aussi à la personne de mon client. Et en même temps, il a exposé l'État congolais à être vu comme un État non démocratique et qui prône la violation des droits de l'homme, parce que je peux m'en plaindre au niveau de l'Afrique, au niveau de la communauté, au niveau de l'Europe. Mais je m'en réserve de toute façon les droits. Et donc, quant au juge que je félicite beaucoup parce que j'ai trouvé que j'étais face à un très bon juge qui avait rejeté la demande de monsieur le procureur et de membres du Conseil de l'Ordre qui demandaient à ce que je sois exclu de la barre. Malheureusement, dans un revirement spectaculaire, il est revenu sur la question qu'il avait déjà tranchée pour me demander de me retirer, en violant un principe fondamental qui guide le juge. Un juge ne se dédie pas. Ça voudrait dire un juge, quand il a déjà tranché une question, il ne peut plus y revenir. Curieusement, scandaleusement, ce juge est revenu sur la question qu'il avait déjà tranchée et pour me demander de me retirer.
Et là, j'apprends une notion typiquement nouvelle, mais malheureusement, on va dire à la congolaise, il a dit que la demande était, il n'avait pas répondu, la demande était mise en berne. Ça, c'est curieux. Et enfin, je voudrais aussi porter la parole de mes collaborateurs, plutôt mes collaborateurs, excusez-moi, de mes confrères qui sont brimés, mes confrères congolais, de province. Le barreau de Kinshasa, Matete et Gombe, ils se sont arrangés, se faisant passer pour les avocats de la ville, et comme ils s'appellent eux-mêmes les avocats métropolitains, un terme malheureux, parce que quand on dit métropole, c'est un langage qui est utilisé en France par rapport à d'autres provinces d'outre-mer comme la Martinique et consorts. C'est pour ça qu'on parle métropolitain. Mais comme nous, nègres, on veut rester toujours esclaves, je trouve les avocats ici qui prennent plaisir de dire qu'ils sont avocats métropolitains. Et donc, en conséquence, ils refusent que les avocats de province, Bujumayi, Kananga, Équateur, que sais-je, puissent venir à Kinshasa et ils soumettent cela à une condition d'autorisation, alors que la loi ne le dit pas. Voilà pourquoi je porte aussi ce combat-là, pour que l'on comprenne qu'on sorte de cette mentalité de penser que la vie, ce n'est qu'à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a le boom économique, alors là-bas, tout le monde est en train d'aller là-bas. Il faut accepter le développement du pays. Donc, un avocat qui vient de Bas-Congo, de l'Équateur, ne doit pas être vu comme quelqu'un qui doit être ridiculisé. Heureusement pour moi, il n'y a pas de la honte de dire qu'on vient de la France. Mais je pouvais venir d'un pays africain comme Tchad et consorts. Je ne sais pas quel aurait été mon sort. Alors, et enfin, le vrai débat, c'est lequel? La question est, est-ce que ce que M. le procureur a dit, ce que l'ordre, les bâtonniers nationaux congolais dit, pour exiger aux avocats de la France la réciprocité, est-ce là est vrai? Deuxième question, est-ce que quand on exige aux avocats de province d'être soumis à l'autorisation, est-ce là est conforme à la loi? Voilà les deux questions fondamentales. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, j'ai distribué mes attestations qui sont entre vos mains. Quand je suis arrivé au Congo, et vous allez comprendre que c'est scandaleux, les pratiques exigent que quand vous êtes dans un barreau extérieur ou étranger, vous puissiez aller présenter vos civilités aux autorités ordinaires, ça veut dire aux autorités qui gèrent l'ordre des avocats, qu'on appelle des bâtonniers, et aux autorités judiciaires, ça veut dire les procureurs et les présidents des tribunaux. Je suis arrivé au Congo et j'étais bloqué par COVID. Je suis arrivé le 15 mars, quand COVID venait de commencer. Et au Congo, il n'y avait qu'un seul cas de COVID qu'on avait vu au niveau de Bellevue. Pendant ce temps-là, il n'y avait plus d'avion et je me suis retrouvé bloqué. Et je me suis décidé, parce que j'ai été consulté, d'aller voir les bâtonniers Mbaki de l'ordre des avocats de Gombe, qu'on a vu venir comme un pompier à l'audience pour venir influencer les juges afin que je sois exclu de la barre. Je vais vous dire que ça m'a coûté plus de 2 ans pour rencontrer ces fameux bâtonniers. Et un exemple, quand je suis arrivé en France pour savoir qu'est-ce que je devais faire afin de devenir avocat en France, pour rencontrer un bâtonnier, ça ne m'a coûté que 2 jours. Vous pouvez vous en juger de vous-même. Au final, j'ai rencontré ce bâtonnier Mbaki et ça coïncidait avec l'affaire Kamere, où certains m'ont vu intervenir, cette fois-là pas comme avocat, comme citoyen congolais, parce que j'ai mis en place l'ONG État des droits en marche. J'ai rencontré donc ce monsieur bâtonnier. Il m'a dit, maître, il n'y a pas de difficulté. Un avocat français, vous pouvez prester ici, mais à condition que vous puissiez en solliciter l'autorisation. Et voilà pour preuve,
il y a le bâtonnier honoraire de Paris, Olivier Sûr, qui est avocat de M. Caméré. Il m'a écrit, et voilà, vous pouvez aussi le faire. Je le fais, je lui ai écrit. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu une réponse. Ça fait 4 ou 3 ans. Et quand j'ai voulu intervenir dans d'autres dossiers, et je me limiterai, si vous me le permettrez, sur un seul dossier sur lequel je vais revenir, où je suis avocat pour une parcelle se trouvant à Choapa, numéro 43, et il se retrouve, même Jésus à ses frères, il se retrouve que c'est une parcelle qui est de la cousine du chef de l'État, qui est victime de la barbarie de certains étrangers qui veulent spolier cette parcelle. J'y reviendrai. Alors, donc, je suis allé voir le bâtonnier, de Matete, maître bâtonnier Moutchembe. Vous avez son attestation là-bas. Il m'a accordé l'autorisation de prester au Congo. Et donc, vous avez son attestation que j'ai distribuée dans la salle. Curieusement, au cours de l'affaire Kamoulinte, c'est là que j'apprends qu'il aurait révoqué cette attestation. Donc, il y a eu une deuxième attestation dans mon dos et où on a retiré sans raison l'attestation qui m'avait été accordée pour prester. Quant à ce qui concerne ce qu'ils appellent réciprocité, d'abord, j'indique que c'est un faux débat parce que l'article 7 de l'ordonnance numéro de l'ordonnance de 1979, donc l'ordonnance numéro 79-028 de 1979, qui organise la profession d'avocat au Congo, à son article 7, exige que pour être avocat au Congo, il faut qu'il y ait la réciprocité si vous êtes étranger, pour être admis. Donc cet article est pour les candidats à la profession d'avocat. Mais moi, je ne suis pas candidat à la profession d'avocat, je suis déjà avocat. Donc cet article-là n'est pas opposable. Deuxièmement, quant à la réciprocité, comme je vous ai indiqué dès l'entrée de jeu, la réciprocité suppose que la France admette aussi les Congolais. Mais moi, exemple vivant, je suis Congolais d'origine. J'exerce en France. Ça voudrait dire que la France admet les Congolais. Et ça, c'est plus important de le dire parce qu'il y a nos compatriotes, quand ils n'ont pas l'information, ils arrivent alors qu'ils étaient déjà avocats ici et commencent à faire d'autres boulots qui n'ont rien à voir avec les droits parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire qu'ils peuvent devenir avocats en France. Donc, je vous dis, quand on est étranger, on peut devenir avocat en France. C'est l'article 100 qu'il admet du décret-loi de 1991 et qui a été évidemment modifié. Cet article 100 admet l'admission des étrangers, y compris donc les Congolais, au barreau de France. Maintenant, la France a soumis cela à des conditions. Vous devez faire les concours pour justifier la connaissance du droit français. Maintenant, le Congo ne légifère pas. On ne parle que de la politique. Au Congo, il n'y a pas de loi pour ça. Est-ce qu'on doit reprocher ça à la France? Je pense que la réponse est non. En tout état de cause, nous le disons dans l'intérêt de nos compatriotes congolais, nous le disons dans l'intérêt de nos étudiants. Ils peuvent devenir avocats en France. Et là, vous me permettrez une parenthèse pour dire que l'objectif visé, c'est permettre la libre circulation, que les gens voyagent, parce qu'un avocat doit voyager. Un avocat, c'est un citoyen du monde. Et je salue ici, beaucoup plus, j'apprends qu'il y a eu des bourses qu'organise Ama Denise Nyakero, la première dame. Ça permet la mobilité des jeunes. Et en France et en Europe, il y a ce qu'on appelle Erasmus. Ça permet la mobilité. On ne peut pas, au 21e siècle finissant, rester cloisonné et vivre en vase comme une île. Non, ce n'est pas possible. Les mêmes avocats chaque année, ils escroquent même leur... Bon, allez, les mots peuvent être retirés, mais néanmoins, je trouve que c'est de l'arnaque parce que
ils exigent beaucoup d'argent pour que les avocats aillent en Europe dans ce qu'ils appellent conférence des jeunes avocats. Bon, on exige suffisamment d'argent. Alors qu'un visa pour aller en France ou en Europe, c'est 25 $, ben, ils exigeaient des sommes de 5 000, de 4 000 $, ça me paraît peut-être excessif. Toujours est-il que les mêmes avocats qui disent que les étrangers ne peuvent pas venir ici, mais eux-mêmes ne se refusent pas de prendre l'argent des jeunes avocats pour dire « nous vous amenons en Europe ». Alors, si vous êtes enfermé sur vous-même, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Donc, je crois que sur cette question-là, je tenais à être beaucoup plus clair que possible. La loi est claire, c'est pour ça que j'ai saisi la Cour constitutionnelle ainsi que le Conseil d'État pour qu'on annule les circulaires du bâtonnier national, parce que quand on est bâtonnier, on n'est pas à l'abri de... On n'est pas au-dessus de la loi, je voudrais dire. Et un bâtonnier doit agir sur base de la loi. Mais un bâtonnier qui n'agit pas sur base de la loi, ça devient des biceps. Et contre ça, nous nous battons au sacrifice suprême même de notre vie, on voulait dire. Et un avocat, ça là-bas, c'est un révolutionnaire. Nous n'accepterons aucune intimidation, surtout dans notre propre pays. D'autres pays, comme mes confrères avocats en France, qui ont aussi leur origine, la Turquie, le Maroc et consorts, nous avons un grand réseau. Ils sont soutenus par leur pays. Et la diaspora construit les pays. Il n'y a qu'au Congo où on supprime les mystères des diasporas, où on devient hostile contre la diaspora. Ça, c'est peut-être notre débat. Ça appelle les problèmes des politiques publiques. Je n'entends pas glisser ça en politique, mais j'entends dire tout simplement que j'ai dénoncé les traitements dont j'étais victime de la part du procureur Issofa, procureur de la République de Kinshasa-Gombe, de la part de l'Ordre des avocats de Kinshasa-Gombe comme Matete, de tous les bâtonniers réunis et qui sont ligués contre moi. Moi, je me repose sur la loi. En démocratie, il n'y a que la loi qui sauve. Ce qu'ils ont dit, je vous ai donné des attestations, je viens de les démontrer, je les ai appelés au débat contradictoire, je les ai soumis devant la Cour qu'ils viennent et qu'ils viennent démontrer sur quelle loi repose leur refus contre les avocats congolais eux-mêmes, alors qu'un avocat est national, il soumet son mouvement à des autorisations, je l'avais déjà dit, qu'ils viennent nous dire comment un avocat dont la loi dit qu'il est national, pour qu'il se déplace, qu'il vienne à Kinshasa, il doit être soumis à l'autorisation. Donc voilà le deuxième aspect sur lequel je n'entends plus revenir, et voilà ce qui s'est passé. À côté de cela, et enfin, je vous ai indiqué que j'étais avocat pour une parcelle se trouvant à Choapa. Il y a beaucoup d'images portant atteinte à mon honneur pour dire que, d'abord, avec ce que je viens de vous dire, vous avez compris que ce sont les mêmes avocats de cette parcelle avec un Nigérian qui sont derrière et qui vont corrompre le bâtonnier, parce qu'on ne comprend pas comment un même bâtonnier vous donne une autorisation sans vous appeler, sans vous tenir informé, il révoque son autorisation. Donc il donne une autorisation à midi, le soir il la retire. Et vous avez les deux attestations m'autorisant de comparaître au Congo, et vous avez une deuxième qu'on m'a sortie dans la fameuse affaire Kamoul. Et donc sur cette parcelle-là, c'est une parcelle qui appartient à Madame Denise Kassalou, qui est la nièce de Maman Marthe, par sa mère et sa grande sœur directe. Sa mère a acquis cette parcelle depuis 1979, plus de 40 ans. En 2022, on voit un Nigérian qui arrive pour dire que c'est lui le propriétaire de la parcelle avec de faux documents. On a interrogé le cadastre. Le cadastre nous a dit que son certificat d'enregistrement passe en droit congolais. Le seul titre pour justifier de la propriété d'une parcelle, c'est le certificat d'enregistrement. Le cadastre nous a répondu noir sur blanc que ce certificat-là a été un faux. Monsieur le Nigérian a dit que la parcelle, il l'aurait achetée auprès d'une Malienne. Ça fait partie des parcelles dites de l'Ouest africain. En 1971, Mobutu
le président Mobutu, le fait président Mobutu, avait pris une ordonnance d'expulser les Ouest africains, comme il l'avait fait avec les expatriés, ce que l'on appelait l'azarianisation. Et donc, maintenant, ces parcelles-là, vous en avez pour toute la commune de Barumbu, commune de Kinshasa et une partie de Kalamu. Maintenant, il y a des malins, des bandes d'escrocs qui s'organisent pour se faire passer comme s'ils étaient héritiers des Maliens et commencer à récupérer les parcelles aux pauvres orphelins dont les parents avaient acheté auprès de l'État congolais. Alors, c'est ainsi que ce Nigérian a estimé à tort et qu'il avait acheté auprès d'une Malienne. À la question de savoir la Malienne serait où, il répondra devant le parquet que la Malienne est au Mali, à Bamako. Et donc, moi, je dis, alors, comment vous avez acheté? Il dit, non, elle est venue au Congo uniquement pour vendre cette parcelle. Moi, d'abord, c'est comme ça. En réflexe normal, dans un état normal, quand on dit quelqu'un est à l'étranger, il est arrivé au Congo, il est reparti, on interroge la DGM. J'ai interrogé la DGM, le rapport est là. La dame n'est jamais ni entrée au Congo, donc n'est jamais venue au Congo, en tout cas pas en 2022. J'ai le rapport de la DGM. C'est comme ça que nous saluons la DGM, nous saluons l'inspectorat général des services judiciaires, a pris une décision de nous réinstaller de la parcelle où on a été illégalement déguerpi. Une fois réinstallé, encore une fois, la fameuse force dite du progrès, en réalité les Kuluna, sont venus tabasser les policiers des gardes. Moi-même, ils m'ont séquestré. Ils ont hissé les drapeaux de l'UDPS sur le toit de la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune autorité n'intervient. C'est pour ça que nous saisissons de cette occasion. Comme on a interpellé les Kuluna, qui se retrouvent désormais en prison, mais il y en a d'autres victimes silencieuses. Et la famille ici, proche du chef de l'État, a toujours été modeste, n'a jamais voulu faire comme dans les anciens régimes où quand on était de la famille présidentielle, on était intouchable. Ils ont admis que la justice soit faite. Mais devant la justice, malheureusement, le chef de l'État le dit lui-même qu'elle est malade, la corruption sur corruption. Et donc aujourd'hui, on est assiégé par les mêmes colonnes qu'on a arrêtées. Nous avons une partie à Barumbu où la maison est sous le contrôle de ces colonnes-là. J'appelle Kuluna parce qu'il faut distinguer entre force du progrès et les gens qui commettent des bavures dans la rue au nom de l'UDPS alors qu'ils ne sont pas de l'UDPS, comme le secrétaire général l'a dit. Puisque si l'on admet que les gens qui sont allés chez Maman Olive Lembe sont des gens de l'UDPS, alors comment voulez-vous expliquer que les gens qui se disent de l'UDPS puissent s'attaquer à la parcelle de la maman Marthe ou de la famille de maman Marthe, qui est l'autorité morale de l'UDPS, notre respectueuse maman. Donc il y a là un paradoxe. Mais vous comprendrez que je ferme cette parenthèse, je n'entends pas ouvrir une parenthèse politique, je n'entends pas qu'on politise les choses, je suis là pour que notre justice, comme j'en ai l'ONG, soit en marche, et les éléments que je viens vous démontrer, étant pour le procureur Issofa, étant que pour le juge président qui m'a écarté injustement de la barre, tant que pour les bâtonniers, ainsi que tant pour que la maison, c'est la démonstration là de notre justice malade et qu'il est temps qu'elle soit guérie. Je vous en remercie. Évidemment, reste ouvert à vos questions. Souvent, je suis taxé d'un étranger, d'un Français. Toute personne qui habite en France n'est pas nécessairement française. En ce qui me concerne, avec beaucoup de peine, parce que je n'ai pas parlé de moi-même, je vais indiquer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que je ne suis pas français et que j'ai refusé la nationalité française. Tous mes enfants et leurs mères sont des Français. Et en France, quand la famille, la femme change la nationalité, on demande au mari de prendre la nationalité. S'il refuse, il doit indiquer les motifs de son refus.
je suis parmi les rares personnes ayant refusé la nationalité, et j'avais indiqué comme motif que parce que mon pays n'accepte pas la double nationalité. Donc aujourd'hui, c'est fixé, c'est vérifiable, et je suis celui-là, au nom du patriotisme, qui a refusé la nationalité française. Je ne la porte pas, je ne voulais pas jurer que je ne la porterai pas, mais comprenez mon émotion. Ça voudrait dire, avec ce que je vois dans mon pays, où je suis agressé, je risque de dire, ben, vaut mieux que je devienne français. Pourquoi? Parce que le français eux-mêmes, peut-être parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau que moi, viennent au Congo et l'État congolais leur donne, vous avez les avocats qui agissent au nom de l'État congolais pour les minerais du sol, pour Apple, ils sont des Français, ils sont avocats français, ils sont avocats français. Pour être avocat français, c'est ça la nuance. Je suis avocat français, et pour être avocat français, il ne faut pas nécessairement être français. Vous avez compris qu'un étranger que je suis peut devenir avocat en France, mais il sera avocat français du fait qu'il est au barreau français et il est avocat du pays français. Et donc moi je suis avocat français, mais sans être national. C'est là que la loi dit, nul ne peut être, c'est l'article 7, de la loi congolaise, qui est la même qu'en France. Nul ne peut être avocat s'il n'est pas national. Parce qu'on protège, il n'y a qu'au Congo, on ne protège pas le travail pour les nationaux. La preuve, nous sommes là, on est attaqué par le Rwanda, minerai du sang, mais qui on prend comme avocat, avocat français, ici au sens de nationalité. C'est comme si moi, avocat français, l'État français peut me prendre pour défendre la France. Je crois que ça n'arrivera pas. Pourtant, nous avons des avocats français, plutôt des avocats français d'origine congolaise. Et là, je parle au nom de la diaspora congolaise, où il y a beaucoup d'avocats américains qu'on sort. J'ai mis en place une structure d'avocats de la diaspora. Nous sommes là nombreux, partout au monde. Mais, curieusement, pour défendre notre cause, on n'a rien contre, mais c'est un problème de souveraineté. On nous prend, les avocats français, par les Congos, peut-être parce qu'ils ont eu la peau blanche. Quand ils viennent, ils sont accueillis à la présidence, ils sont dans des hôtels, hôtels du fleuve, et moi, petit nègre, dans mon pays, je suis chassé. Je crois avoir répondu à votre question de réciprocité. Ça voudrait dire qu'un avocat d'origine congolaise, je le suis, a la possibilité de devenir avocat en France. Et comme la France admet que les Congolais deviennent avocats chez elle, le Congo qui demande la réciprocité doit aussi admettre que les avocats d'origine française ou de nationalité française deviennent avocats au Congo. Mais déjà, je vous ai indiqué que ça, ce n'est pas mon cas. Ça, c'est pour les gens qui veulent accéder à la profession. Ce sont les conditions soumises aux candidats à la profession. Mais moi, je ne suis pas candidat. Je suis avocat déjà existant. Dupont Moriti, avocat de M. Katumbi. Il est du même barreau que moi, de Lille. Comment il exerce? Comment il parle au nom du Congo? Il est français. Moi, je suis congolais. Mais nous sommes, lui et moi, avocats français. Mais lui, on l'acclame. Les mêmes bâtonniers, j'allais dire les mêmes petits bâtonniers. Parce que là, ils sont petits. Quand ils arrivent en France, ils préfèrent s'incliner, manger avec les mêmes blancs, prendre les cafés avec eux. Ils les appellent même ici au nom de, comment on va dire, renforcement des capacités. Ils se retrouvent à des poulements, ils prennent des cafés et vous acceptez que les étrangers viennent vous apprendre votre droit. Et moi qui étudie ici, j'ai un diplôme de licence en droit ici. J'ai un diplôme de droit en France. Je viens ici, on me traite en petit nègre. Voilà la réponse. Je vais dire tout simplement que c'est une mentalité de nègre. Désolé de le dire. Et c'est une mentalité de colonisé. Et vous avez compris dans quel contexte je l'ai dit. Je suis révolté, je suis énervé.
prendre mes fonctions d'avocat au niveau de la Cour pénale internationale. Malheureusement, j'ai eu un deuil qui a frappé de mon frère qui a été assassiné en Afrique du Sud. Médecin congolais. Donc, pour dire que Cheikh Fitta, ce qui m'arrive, c'est que c'est une histoire de petits intérêts, une histoire de combine, parce que l'on me dit que, d'abord, même si je ferais 1000 ans dans un fleuve où se trouvent les Congolais, je ne serai jamais transformé pour devenir français, même si je l'ai avec papier. Mais si on distingue, on ne me verra pas de par ma peau. Et je ne comprends pas comment il y a les Congolais qui s'attaquent aux Congolais. Quand bien même j'aurais changé la nationalité. Ça, je vais en parler pour porter la voix de mes compatriotes qui sont victimes à l'étranger de traitements parfois inhumains, mais qui se trouvent encore dans leur propre pays par les étrangers soumis au même traitement. Les salariés qui travaillent avec les Libanais, Indiens et consorts, que je passe, qui sont maltraités, qui ne sont pas bien payés, et personne n'en parle. J'ai saisi de cette occasion pour lever ma voix et pour dire que Congolais, autorités, policiers, généraux, magistrats, traitez mieux vos compatriotes. Nulle part au monde, vous ne verrez un Congolais qui arriverait, par exemple, au Nigeria, parce que je parlais de cas de la parcelle ou prise par un Nigeria, qui arrive dans un pays, il frappe les policiers nigérians, il chasse les Nigérians de sa maison. Nous ne sommes pas à l'Est, nous sommes à Kinshasa. Et il occupe la maison. Et on ne lui fait rien. Donc, voilà, Cheikh Fitta, donc la réponse est que c'est des petites combines pour les intérêts que je défends. Quand je suis arrivé, je l'ai déjà dit, en dehors de ce qu'ils appellent réciprocité, j'ai vu les bâtonniers de Gombe, M. Mbaka, j'ai vu les bâtonniers de Matete, M. Mouchebe. J'ai demandé qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse comparaître devant les juridictions de mon pays. Ils m'ont dit, écoutez, vous pouvez demander simplement une autorisation temporaire parce que vous venez pour peu de temps, et puisque vous êtes déjà avocat. C'est ce que j'ai pu faire. Mais si vous voulez entrer au barreau congolais, en ce moment-là, vous sollicitez soit une inscription complémentaire, parce que quand vous venez déjà d'un autre barreau, pour entrer dans un autre barreau congolais, si vous maintenez votre barreau de France, vous devez solliciter ce qu'on appelle l'inscription complémentaire. J'ai un confrère à moi, je cite son nom, mais Maître Batajan, qui est au barreau de Matete, qui est lui français, si vous voulez, qui est lui français blanc, il est au barreau de Matete, il a pris l'inscription complémentaire. Mais moi, j'ai dit, je ne viens pas prendre l'inscription ici, pour les raisons qui me sont personnelles. Donc, parce que je ne suis pas encore installé au Congo, et je préfère une attestation de prestations temporaires qui date de 3 mois, et je fais souvent 3 mois et je repars. On m'a accordé cette attestation, je crois que vous l'avez sous vos yeux, qui m'a été accordée par le bâtonnier de Barreau de Matete, Barreau Matete Gombe, c'est la même chose. Et donc, on m'a accordé cette autorisation par les bâtonniers Mouchebe. À ma grande surprise, dans le procès de Chop dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'étais surpris que le procureur Issofa ait demandé à son collègue de si j'interviens, que je sois interpellé. Je serai interpellé, j'ai porté plainte contre les magistrats qui m'avaient interpellé. Quand on l'a entendu sur procès verbal, lui, procureur Issofa, que je connais depuis plus de 20 ans, parce que je ne suis pas né en Europe, j'ai travaillé ici, j'étais avocat ici. Donc, Issofa et moi, on se connaît. Je l'ai trouvé dans son bureau, avec le même avocat qui s'est dit membre du Conseil de l'Ordre, et on m'a amené dans son bureau, j'ai dit, mais procureur, qu'est-ce que tu me veux? Elle a dit, ah, mon cher ami Oscar, on voulait vérifier si tu étais réellement avocat en France. Et ils vont me demander si je connais, heureusement ou pour eux, ou malheureusement, ils vont me demander si je connais un certain avocat de Lille, qui est congolais, par ailleurs qui est un ami. Pour eux, ils ont, moi je dis oui, je le connais, c'est un ami. Alors je dis, mais alors,
Votre question, je ne la comprends pas. Pour voir si je suis avocat, vous demandez à mon bâtonnier, parce que je pouvais ne pas connaître votre ami là que vous me citez. L'incident, je croyais avoir été clos. J'ai porté plainte. Le magistrat qui s'appelle Kasongo, qui a été entendu, a dit noir sur blanc que chef, moi je ne vous connais pas, ça fait 2 mois que je suis magistrat à Gombe. C'est mon chef qui m'a dit, si on vous voit, qu'on vous arrête. Mais quand j'ai vu le chef, il a rigolé avec moi, me faisant voir son amitié pour moi. Et ce jour-là, il y avait déjà des caméras, et dans l'opinion, on avait dit qu'aujourd'hui on va arrêter Maître Oscar. Je croyais l'incident clos. Et jusqu'au procès dit de force du progrès, qui vient de se clôturer, je suis consulté par Kabamba Mulumba, dont l'immeuble est à côté de là où nous faisons la conférence. Il me consulte. Et j'arrive, j'acte ma comparution. À ma grande surprise, c'est le même membre du conseil de l'ordre que j'avais vu dans les bureaux du procureur. Et le même procureur, Issofa, il me demande de me retirer. Comme quoi, je ne serai pas avocat ici. Heureusement, le juge, bravo à lui, a dit qu'il rejetait cela. Je l'ai déjà dit. Et enfin, le même juge fait un revirement spectaculaire pour me dire que non, ce qu'il avait dit là, il doit y revenir parce que les moyens auraient été mis en berne. C'est une notion qui n'est pas juridique, que j'apprends au Congo, qu'on peut faire une demande, le juge y répond, et le juge peut y revenir parce qu'il dit que ça a été mis en berne. Je connais qu'on met les drapeaux en berne, mais je ne connais pas qu'on met des demandes en berne. Voilà ce qui m'arrive, M. Tchèque-Pita. Dans ton pays, dans mon pays, les pays où nous nous sommes battus avec vous, sur la place de Lumumba, pour l'arrivée du chef de l'État au pouvoir. Il nous invite et on nous traite comme ça, aux yeux et aux vues de tout le monde. Voilà ce qui m'arrive. En avril 2024. Merci beaucoup. Donc, première chose, pour l'opinion, parce qu'on me traite d'aventurier, d'escroc, pour l'opinion, quant à ma qualité d'avocat, ça ne fait aucun doute, parce que lui-même, le bâtonnier, qui retire, avant de m'accorder l'autorisation, l'avait vérifié. Bon, je ne veux pas ici dire, comme d'autres, et ça je le condamne, quand on rentre chez soi, on doit être modeste et humble, on doit respecter nos compatriotes qui sont restés au pays. Je ne veux pas dire comme d'autres qui viennent vous dire qu'on a fait des universités là où on ne triche pas, on n'achète pas le pain, et que je viens d'un pays où on ne trompe pas, où on ne triche pas. Avec l'Internet, vous tapez juste mon nom, vous avez mon barreau d'appartenance, on vous donne combien d'heures et de minutes si vous êtes en France, vous mettrez pour arriver à mon cabinet, et combien de temps si vous êtes au Congo, vous mettrez pour arriver à mon cabinet. Vous avez tout sur moi. Donc, du point de vue, est-il avocat ou pas, cette question ne se pose pas. Je suis avocat au barreau de l'île, je le répète. Maintenant, quant à la question de savoir, je peux, c'est là où il y a des problèmes. Est-ce qu'un avocat français peut-il prester devant les juridictions congolaises ou pas? La réponse est oui, moyennant autorisation. Mais je vous dis que cette autorisation, c'est les bâtonniers eux-mêmes. Bon, quand on sort de la loi, on n'est plus bâtonnier. Parce que là, on devient n'importe qui, on devient n'importe tout le monde, mais on veut se couvrir des casquettes de bâtonnier pour violer la loi alors qu'il est censé de la faire respecter. On vient se couvrir des casquettes du procureur pour violer la loi alors qu'il est organe de la loi. Et cela derrière des petits intérêts. Et là, pour qu'on comprenne bien mon propos, voilà dans quel contexte j'ai dit petit bâtonnier. Ça veut dire en réalité, mais pas bâtonnier, parce qu'un bâtonnier ne viole pas la loi. Et quand vous venez m'agresser au nom des casquettes des bâtonniers en légitime défense, si vous ne vous reposez pas sur la loi, je ne vous regarde pas comme bâtonnier. Quand vous venez m'agresser pour vos petits intérêts, avec casquette du procureur, alors que vous êtes en train de violer la loi, je ne vous regarde pas comme procureur.
et la loi me l'autorise. L'article 28 de la Constitution congolaise dit « Nul n'est censé obtempérer à un ordre illégal ». Maintenant, quant à l'aspect de l'attestation du retrait, c'est en cela que j'aime le Congo, mon beau pays. Les journalistes connaissent mieux les droits que les bâtonniers. Vous avez tout dit? Vous avez lu vous-même? Alors, la loi dit, nul ne peut, s'il n'est pas inscrit au tableau. Et moi, je suis inscrit au tableau. Maintenant, lui, alors, il fallait qu'il ajoute au tableau congolais. Or, la loi ne dit pas tableau congolais. Donc, vous-même, journaliste, vous interprétez bien la loi qu'un bâtonnier. Dois-je respecter ce bâtonnier? Je vous laisse qu'il vienne devant vous et vous allez vous-même le ridiculiser parce que vous êtes journaliste. Vous interprétez bien la loi qu'est lui. Voilà ce que je peux vous répondre et je vous souhaite que vous les invitez. Maintenant, quant à la question de mon cher journaliste Jean-Pierre Kayembe, que j'admire et que j'apprécie beaucoup, parce que des chocs des idées, ça jaillit la lumière. Et nous devons avoir dans notre pays des journalistes comme lui, à tout moment, en toutes circonstances, il fait entendre toujours un autre son de cloche. Monsieur Jonas Kayembe, aujourd'hui, ce n'est pas de la politique. Hein, ne venez pas faire la politique pour me dire il est de la tendance et des couleurs tshisekedistes. Moi, je me réserve de dire vos couleurs à vous. Bon, pour votre question maintenant de ce qui nous occupe, je me limite à cette question pertinente que vous posez. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je suis devant vous. Vous me demandez qu'est-ce que j'attends. Ben, j'écris quelqu'un qui est étouffé. Ah, je suis étouffé. Vous imaginez les gens qui paient de leurs billets, qui paient de leur argent pour prendre mon hôtel, qui me nourrissent. Un avocat n'est nourri que par ses clients, parce qu'un avocat est payé par les clients. Je suis père de famille. Vous m'empêchez de faire mon travail dans mon pays. Et devant mes clients, sans l'honneur, on n'est plus avocat. L'avocat, c'est l'honneur. Parce que l'avocat, c'est comme un prêtre ou un pasteur. Vous n'allez pas vous confesser chez un pasteur quand vous ne savez pas qu'il garderait votre secret et qu'il est sérieux. C'est comme un médecin. Vous n'irez pas chez un médecin quand vous ne savez pas qu'il est sérieux. Donc, vous n'irez pas chez un avocat quand il n'a plus d'honneur, quand il n'est plus sérieux. Et œuvre de tant de jours, à un seul jour, effacée dans mon pays. Alors que on devrait quand même considérer que nous sommes les ambassadeurs ailleurs. Ça ne vient pas tous les jours, cher ami, qu'on puisse quitter son pays, qu'on arrive comme étranger et qu'on devienne avocat en France. Ça, je vous l'ai dit. Et en termes de pourcentage, on est à moins de 10%. Ce n'est pas comme en Belgique, où quand on arrive, on est admis directement, mais pas comme avocat belge. On est admis congolais en Belgique, on n'est admis pas comme avocat belge. On est admis sur la liste qu'on appelle liste B, autrement dit liste des étrangers. Mais en France, c'est en cela que la France est un grand pays. Quand vous êtes avocat français, vous l'êtes au même titre que M. Dupond-Moretti. Donc quand vous me parlez ici, il n'y a aucune différence avec lui. Et lui, il sera là, il sera à l'hôtel du fleuve, et le même bâtonnier sera en train de faire des courbettes devant lui. Moi, simplement, parce que j'ai la même couleur de peau que je l'ai déjà dit. Donc, à la question, j'attends quoi? Donc, je vous disais, quand on est agressé, on crie. Mais je ne veux pas faire comme un voyou. Où est-ce qu'on crie? À la presse. Et c'est quoi la presse? Quatrième pouvoir. Vous en avez le pouvoir. Défendez-moi. Merci.